Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne AfroBTR. Merci à tous ceux qui me suivent. Si vous êtes là pour la première fois également, merci de vous abonner à cette chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, les amis, je décide de partager avec vous cette astuce très facile à réaliser pour vous aider à augmenter le volume ou encore à augmenter la longueur de vos cheveux. Donc, comme vous pouvez le constater sur les images, de 2020 à 2020, je n'ai plus la même longueur de cheveux. Mes cheveux ont évolué, mes cheveux ont augmenté en volume et en longueur. Pour réaliser en fait cette astuce, les amis, c'est très facile. Vous allez trouver ces ingrédients sur le marché. À vous d'écouter et de regarder très attentivement et d'aller réaliser. Ensuite, vous allez appliquer cela matin et soir sur vos cheveux. Vous allez avoir besoin de l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, ça existe en deux couleurs. Il y a la couleur jaune et la couleur blanche, d'accord? Donc, c'est à vous d'aller chercher ce que vous pouvez avoir et ensuite, vous allez garder cette huile. Vous allez également avoir besoin de l'huile d'olive. L'huile d'olive, alors, ça se trouve facilement sur les supermarchés. Vous pouvez avoir ça. Donc, allez dans les supermarchés près de chez vous, demandez, vous allez avoir l'huile d'olive. Ensuite, vous allez avoir besoin de vitamines. Alors, vous allez me demander de quelle vitamine il s'agit. Il s'agit tout simplement de vitamine E. La vitamine E, en fait, c'est une vitamine qui permet la pousse des cheveux. Donc, allez dans les pharmacies, demandez à vos pharmaciens que vous avez besoin de vitamine E ou encore pour les cheveux, ou aller sur les marchés, demander à tous ceux qui vendent les produits cosmétiques que vous avez besoin de vitamine E pour les cheveux, ils vont vous donner ça. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. Réalisez l'astuce, appliquez matin et soir sur vos cheveux pendant au moins 3 mois. Vous allez voir que ça va marcher également pour vous. Allez, ciao ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.